Qui peut me dire quel est le symbole chimique du sodium? Oui, Janice? C'est N majuscule petit a. Très bien. Et qu'est-ce que le sodium? C'est du sel. Bien. Pas tout à fait. Voyez-vous, le sodium est en réalité un métal alcalin. Remarquons d'abord que l'origine de son nom nous vient de la racine du mot soude. Soda, comme disent les Anglais. Il fut isolé en 1807 par M. Humphrey Davy. Lorsqu'il réalisa l'électrolyse de la soude caustique. Tu suis ou quoi? Prends des notes. D'un composé commun du sodium. J'ai oublié mes stylos. Appelé natrium. Qui lui-même vient du grec. Démerde-toi. À présent, si nous combinons du chlore et du sodium, nous obtenons ce que l'on appelle du chlorure de sodium, que tout le monde connaît sous le nom de... Du sel de table. Très bien, Janice, très bonne réponse. Alors, le sodium en lui-même peut être très instable et réagit de manière explosive à l'humidité. Donc, pour protéger le sodium, nous l'avons plongé dans un bain d'huile et je vais maintenant en prélever un minuscule morceau. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur, c'est sans danger. Voilà. Ah. Alors, comme vous le voyez, le peu d'humidité contenu dans l'air suffit en quelques secondes à faire réagir le sodium. Si je le plonge dans cette eau, il va réagir avec violence. Cool. Bien, c'est fini pour aujourd'hui. C'est terminé. Au prochain cours, nous aborderons la question de la déconstruction moléculaire. Oh merde. Attends. Elle est pétée. T'en fais pas, c'est pas grave. Je l'utilise jamais. Tu sais, c'est pour la bourse que je suis là. Tu me bats, moi je sais pas ce que je fous ici. Et donc, c'est pas terrible ici les cours, non? Ouais, je crois que t'as raison. T'as dit quoi alors? Mais c'est pas possible, regarde sa tête. Qu'est-ce qu'il fait? Professeur Crowley, vous êtes souffrant? Souffrant, oui, c'est ça, c'est ça. Souffrant, souffrant. Juste ce qu'il faut. C'est rien, c'est léger, c'est tout léger comme maladie. Leçon du jour, passons à la leçon. A plus P sur Y est égal à... Je meurs de faim. Vous pouvez partir. Salut.
Il est complètement défoncé. Eve. Quoi? Comment tu te sens, ça va? Ouais. Et toi? Ouais, ouais, non. C'est le karaoké d'hier soir, une soirée démente. C'était géant. On dirait qu'il a pas encore fini de cuver. C'est clair, il a l'air complètement défoncé. J'ai déposé une plainte officielle ce matin. Je suis sûre qu'il se trompe dans les notes. Trev, passe-moi le bouquin. C'est bon, merci. Vous pouvez vous asseoir. Tout le monde assis. Comme ça, on pourra... commencer. Commencer. Du jour. Dépêche-toi! Ah, je crois que je me suis cassé le pouce! Ah!
Oh,